placer tous. Et puis, on va placer un piège là. Bon, on va laisser les cordes ici. Ok. Et on avait récupéré de quoi... On avait récupéré de quoi pêcher et surtout de quoi manger. Parce que mon personnage commence à avoir faim. On va ajouter vers de terre. Ok, j'ai canne à pêche, grillon. Ça, ça va nous servir pour pêcher. Je vais prendre une canne à pêche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un peu de bois. Remarquez, j'ai rien pour... Ah ouais. Je vais aller chercher de quoi cuire mes poissons. Et pendant que ça va cuire... Pendant que ça va cuire, on va pêcher. Avec la canne à pêche cette fois. Je vais prendre quelques branches. Voilà. Comme ça, on aura ce qu'il faut dans notre petite cabane de bord de mer. Ça va être plutôt cool. Tac. Brandy. Bon, on est bien là. On est pas mal. Je vais aller chercher un briquet. Comme ça. On va ajouter les appâts. Hop. Ici aussi. Bon, là, ça pousse doucement. Mais sûrement. Alors, on avait dit un briquet. On va prendre un briquet. Et on va se prendre un petit plat rôti. Comme ça, on va pouvoir se faire une petite préparation sympathique. Les baies là sont bientôt mortes. Éventuellement, j'ai les pommes de terre et j'ai les radis. Prendre aussi ceux-là. Voilà. On va se faire une petite préparation tranquille et on va pêcher pendant ce temps-là. Ok. Ça va être pas mal ça. Je sais pas, alors la pêche, je vous dis, hein, j'ai testé sur tous les NAS. Je ne me souviens plus si ça fonctionne en hiver. Ça doit pas pouvoir fonctionner en hiver. Et pareil, c'est... ça a tendance... Vous avez une déperdition en fait. C'est-à-dire, plus vous pêchez au même endroit, hein, ça marche un petit peu comme la chasse. Plus vous êtes au même endroit, plus... Enfin, moins le résultat est efficace. Ok, alors on avait attrapé un oiseau mort, on avait attrapé des poissons. Ah tiens, vous avez entendu, on a attrapé quelque chose. Très très bien. Alors on va ajouter du carburant. On va se rajouter des poissons. On va aller encore un petit peu. Et on allume. Comme ça, ça va cuire. Ça va cuire. Tout douce. Tiens. Alors pour savoir lequel, hein, vous faites un clic droit et celui où il y a vérifié, vous voyez celui-là, hein, il n'y a pas. Celui-là, il y a. Ça dit quoi? Un oiseau mort de 15. Ah, celui-là, faut peut-être que je le découpe avant. C'est celui-là. Découper. Alors quand vous les découpez, après ils ont une date de péremption plus importante. Si vous les découpez pas, vous pouvez les garder 3-4 jours. Je vais pas vérifier. Je pense que sur le wiki officiel, vous avez les temps le temps où ça reste frais. On va manger tout ça. Comme ça on aura deux. Je vais attendre que les poissons soient prêts. Tac. Alors,
Pour pêcher, j'imagine. J'imagine déjà qu'il faut équiper la canne à pêche. Utiliser un objet principal et ça. Un objet secondaire. Voilà. On va garder un œil là-dessus. Ah oui, vous voyez, ça cuit vite, hein. Éteindre. Voilà. Pêcher. Ok, c'est lent. Bon, là, on est safe. Donc, je pense qu'on va pouvoir accélérer le temps. Ah, j'ai attrapé quelque chose. Wow, poisson lune. 29 cm. On accélère. Un autre. Wow! On va s'arrêter là. Ah, c'est pas mal ça, vous avez vu, on a chopé du poisson. On a chopé du poisson. Ah, ça c'est bien ça. Bon, écoutez, ça va être une bonne source de nourriture. En plus, je pense que quand le système de nutrition sera en place, ça vous obligera à pêcher. Et ça, c'est pas plus mal. Parce que c'est vrai que manger que des baies, c'est pas terrible. Alors, je vais laisser ici ça. Le poisson mort, ma truite. J'ai pas mal de bouffe. Je vais tout mettre ça. On va se mettre ça là. Ça là. Ça aussi d'ailleurs. Plein rôtir. Ça sert à rien de s'encombrer. Je vais laisser. Je pense qu'on peut pêcher donc avec l'attirail de pêche. Et probablement en utilisant les grillons. Ça c'est pas mal. Je pense pas que les grillons on puisse les mettre. Je pense pas qu'on puisse les mettre, vous voyez, en appât sur ça. J'ai pas testé. Faudra qu'on teste ça. Faudra qu'on teste ça. Est-ce qu'on peut se préparer? Viande de petit oiseau. Ouais, super. On va se mettre deux pommes de terre, deux radis. Pommes de terre. Et un autre radis. Tac. 55. Ça devrait nous faire un truc plutôt cool. On va rajouter un peu de carburant. Bon, j'ai un bol, je vais pouvoir faire mes petites pommes de terre. C'est ce que je vous disais la dernière fois. N'hésitez pas quand vous avez des aliments comme ça, qui sont un peu tout seuls, de les faire en salade, ça vous fait toujours prendre un petit peu d'XP. On en est où de la cuisine d'ailleurs? Ah, vous voyez, on va pas tarder à arriver ici, c'est bien ça. Alors, à un moment, je sais plus à quel niveau, je me demande si c'est pas 6 ou 7, un truc comme ça, enfin un gros niveau quand même, hein, en cuisine, vous pouvez cuisiner les aliments pourris. Alors, vous emballez pas, ça vous permet de gagner 3-4 points de nourriture hein, sur un aliment pourri, mais ça vous permet surtout de varier vos aliments. C'est-à-dire que comme ça vous fait ajouter un composant qui n'est déjà pas dans le plat de départ, en fait, vous ajoutez un bonus pour soigner l'ennui et la dépression. Donc ça, c'est plutôt cool. En pêche, vous voyez, hein, on a pêché, on a pris pas mal de points. Alors j'imagine hein, que plus on pêche, plus vous pêchez peut-être des gros poissons. Je suppose. Bon, alors pour ça, on va faire quoi? On va accélérer le temps parce que j'aimerais quand même qu'on aille se balader un petit peu. On a pas mal de bouffe, on va tout laisser là. Parce que j'aimerais aller, vous voyez, dans la petite ferme qui se trouve pas loin. Donc j'accélère le temps. Voilà, et on éteint. 72,
Ça, c'est du bon petit plat, ça. Ok, allons-y. On va aller visiter la petite ferme qui se trouve pas loin. Je vais en profiter pour aller checker les pièges à bail, mais j'avais pas remis d'appât et on n'a toujours pas récolté des aliments type tomates ou choux qui peuvent se mettre en appât. Alors au pire, vous pouvez utiliser des céréales, du beurre de cacahuète, ça permet de choper des choses. Alors notamment des écureuils paraît-il, mais moi j'en ai pas encore attrapé. D'accord, il est bizarrement tourné ce cadavre. J'arrivais pas à voir ce que c'était. Alors la ferme est... J'imaginais par là. J'imaginais par là. Pas mal de zombies ici, va falloir qu'on se méfie. Je suis perdu. Où est cette ferme? Ah, la voilà. Alors c'est une ferme et ils avaient des bâtiments annexes un peu tout autour. Alors je me dis qu'ici, on a quand même de fortes chances de récupérer l'arrosoir. Personne ici. Marteau. Ah, trombone. Ah, ça, c'est pas terrible, ça. C'est pas terrible du tout. On va voir à l'intérieur si on trouve des choses intéressantes. Alors, est-ce qu'on a du monde autour? Bon, apparemment, il n'y a pas grand monde. Fermé. Ok, alors on va déjà vérifier qu'il n'y a pas trop de monde. Là, escalier. Petite cuisine. Ah, ça. Je sais pas si on va monter, voyez la l'électricité. Parce que c'est quand même super long, je l'ai fait sur des parties solo. C'est long. C'est quand même super long. Ah, taper ta souris. Ça va nous permettre de monter le piégeage. Oh non, pas des pourchiens. On n'en est pas là. Ah, dans les pièges, on peut mettre du pop-corn aussi. On peut mettre du pop-corn. De la farine. Alors pour utiliser la farine, il nous faut la recette du pain ou des tartes. Alors sur une autre partie, j'ai déjà eu cette recette. J'ai déjà eu cette recette. Mais je sais que c'est un loot que je vois pas souvent, ce qui veut dire que ça reste quand même un truc à moitié super rare. Une bâche. On va la prendre. Je crois pas qu'on ait une tente. Ça va être pas mal si on envisage des voyages. Ah, on a un cadavre ici. Bon. Même technique qu'habituellement. Alors quand vous avez une maison comme ça où toutes les portes sont ouvertes, souvent c'est que les gens... Les gens ont fui, emportant pas mal de choses avec eux. Donc souvent, quand vous arrivez dans une maison où il y a beaucoup de choses de portes ouvertes, c'est que les gens ont fui.
Oh, c'est magnifique. Un radio premium émetteur. Alors ça, c'est super. Vous allez voir, c'est un objet magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, pas grand-chose. Le miroir, je n'ai pas trouvé de recette, comme le paint d'ailleurs. Il y a pas mal d'objets en fait comme ça qui sont un peu, qui sont vraiment purement RP. Vous voyez, c'est juste pour l'immersion. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Une dame morte avec des porte-vêtements avec des bouquins dedans. Oui, j'ai déjà vu ça, c'est assez étrange. Et des clous. Ok. C'est bizarre. Ok, on n'a personne ici. Bon. Bon, pas d'arrosoir, hein. Pas d'arrosoir, ça c'est juste de la tristesse, quoi. Hein. On a vraiment trouvé rien du tout ici. Alors, il y a une petite. Je vais ouvrir les portes, comme ça je me souviendrai que je suis passé ici. On a une petite annexe qui doit se trouver par ici. Hop, hop, hop. Ouais, la petite annexe se trouve là au bout du chemin. On va essayer d'attirer ces zombies là séparément. Ça se bidouille exactement comme on le souhaite. Bon, dans le dernier Mondoïd, ils nous ont remontré un petit peu l'avancée du système d'animation. C'est quand même plutôt cool. Oh, allez, on a du monde par ici, hein. C'est assez curieux d'ailleurs. Fermé. Bon, là ça migre. Bon, écoutez, on va rentrer. Ça, je vais prendre. Oh, bah écoutez, ça c'est bien ça. Ah, encore un autre, un jerrycan d'essence. On est en train de se charger méchamment. Par contre, on n'a pas d'arrosoir. Ah, attendez. Ah, du fil de pêche. La canne à pêche, à mon avis, se détériore avec l'usage. Et je pense que le fil de pêche et des choses comme ça vous permettent bah, tout simplement de réparer. Oh, puis là, on est plein de chez plein. On est plein de chez plein. On va essayer de voir si on peut pas déplacer le bol ici. Le briquet. Et le marteau. Bon, voilà, on a gagné un peu. Ils se sont déplacés, eux, ils sont allés où? Ouais, ils sont là. Bon, on va pas chercher trop à se battre parce qu'on est quand même super lourd. Ouais. Là, on est à ras bord, hein. On va y aller tranquillement, mais sûrement. Ça sert à rien. Bon, bah, c'est une bonne petite expédition, même si, par contre, ça me gêne un peu. On n'a toujours pas trouvé d'arrosoir. Donc, je pense qu'il serait intéressant, c'est de commencer à aller s'occuper du quartier résidentiel. On n'a pas encore fait. Vu que là, on a un peu écumé la zone. Et que, bah, on est un peu. On a un petit peu fait le tour de cette partie-là. Ah, il doit y avoir une petite maison isolée au bout, là, avec quelques maisons. On ira peut-être se faire la visite. Mais là, bon.
Là, on commence à être pas mal, hein. Allez, on va aller ranger tout ça. Je vais vous montrer le radio, la radio, comment c'est la classe. Ok. Allons ranger tout ça. Ok, alors on va aller ranger déjà la bouffe. Commence à être méchamment plein. Ok, ici, on peut ranger des choses. On va ranger le sucre, le miel, la farine, les céréales. Bon, les boîtes de conserve, il me semble que là, on a encore un peu de place. Ouais, ça va devenir. Et tout le reste, c'est pour le bricolage. Là, on va ranger le bol. C'est pas ici, c'est là. Ah non, le bol, c'est celui que j'ai sur moi d'habitude. On va laisser le briquet également ici. Voilà, et on va pouvoir ranger tout le matériel ici. Chatterton. Les clous, je vais les mettre là. Ficelle, fil de. Dès qu'on aura le niveau 3 en piège, on pourra faire les boîtes en métal qui permettent de choper un peu plus de. Un petit peu plus de choses, hein. On se baladait avec la scie, ça c'est juste infâme ça. On va mettre ça ici. Désinfectant. Antidépresseur. La bâche ici. Les couteaux à beurre là. On commence à avoir un petit stock de couteaux à beurre pas dégueulasse. J'avais déjà lu. Bon, c'est pas grave. Ok, radio émetteur, ça, ici, on accélère le temps. Ok, ça pèse 20 kilos, hein, donc c'est juste super lourd. Par contre, vous allez voir comment c'est trop beau. Vous voyez, ça vous fait. Voilà, ça, on va le mettre là. Voilà, il va être bien là. Ça colle, comme ça on sait que c'est ici. Et en fait, vous pouvez l'utiliser, hein. Dans un trip RP. Et je ne sais pas pour l'instant si. Si on peut capter des choses. Ouais, je ne sais pas si on peut capter des choses avec ça. Mais c'est quand même un petit peu la super classe. Ok, on va manger un petit quart de ça. On va dormir. Et l'épisode s'arrêtera ici. Alors, écoutez, on a chopé une radio. Ça, c'est plutôt joli. Par contre, on n'a pas trouvé nos arrosoirs. Donc ça, par contre, ça, c'est décevant, ça. C'est décevant. Ça mériterait quand même d'aller s'installer. Bah peut-être au prochain épisode, éventuellement, eh bien dans le centre-ville. Bon, allez, écoutez, on va dormir et on verra ça pour le prochain épisode. Eh bien, merci d'avoir regardé. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, voire à partager la vidéo, pourquoi pas, et vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochains épisodes. Voilà, salut!